J'entends la part de M. Chriqui tout à l'heure. Les CDDRA, machines à doublonner les compétences des collectivités locales. Nombre d'élus de tous bords, y compris de son bord, lui répondraient que non. Les chefs de projets locaux sont les premiers à mener ces projets de territoire, voire même d'avoir tendance à s'approprier leur bilan. Ils ont été les premiers à monter au créneau lorsque le non-renouvellement de ces contrats a été évoqué. Il n'empêche que les politiques territoriales constituent une politique résultant d'une initiative des territoires, indispensable pour compléter, impulser des projets de territoire dans une logique de développement durable. Ces moyens sont une bouffée d'air pour des collectivités de plus en plus frileuses à innover et investir. Ces politiques sont aussi un levier pour la région pour développer d'autres politiques, les TEPOS, les programmes leaders, les PAEC. Elle permet aussi d'harmoniser les différentes politiques auxquelles la région prend part, les CTEF, les politiques sur l'eau et les milieux naturels, et bien sûr les PNR. La région doit repenser ses politiques, notamment dans la perspective du mariage avec la région Auvergne. Ainsi, il nous faut dans ce budget prendre en compte les inquiétudes des territoires arrivés ou arrivant en fin de contrat cette année. Alors aujourd'hui, ils sont nombre de 8, ils seront 16 à la fin de l'année. Donc il faut prendre leur inquiétude en compte en parallèle d'une réflexion sur le devenir des politiques territoriales. Nous devons assurer une continuité dans ce partenariat territoire-région. En conséquence, nous demandons de modifier le gras, de modifier ce texte qui institue le soutien à ces territoires en modifiant la page 72, le gras page 72, sur le point 1.4, donc en supprimant exceptionnel, je ne sais pas si vous l'avez sous les yeux, en supprimant la citation des territoires, des 8 territoires concernés, en supprimant soutien au projet jugé prioritaire par le territoire à hauteur de 1/6 de l'enveloppe du CDDRA échu, et en supprimant le second tiret. Les projets proposés devront être à vocation intercommunale et relever majoritairement des dépenses d'investissement. Et au troisième tiret, supprimer contrat, supprimer CDRA. Et quatrième tiret, supprimer se dérouleront en 2015. Merci, Monsieur Solignac. Très modestement, je ne suis pas tout à fait...